Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Bien Maya. Elle n'arrête pas de réclamer depuis tout à l'heure. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. J'espère que vous allez bien. Mais viens. Viens là, regarde. Hop là. Alors ce soir, je suis toute seule. Voilà. Donc c'est... Là, j'ai lancé ce thème. Je trouve que c'est... J'avais envie de parler de ça. Sur le chemin initiatique d'être parent. Bonsoir Jojo. Je ne sais pas si tout le monde est parent, si vous avez des retours aussi sur le rôle que vous avez joué en tant qu'ado ou jeune adulte quand vous étiez avec vos parents. Peut-être aussi intéressant d'avoir le feedback. Voilà, le rôle du parent et le chemin initiatique que ça les fait parcourir lorsqu'on incarne ce chemin. Ce chemin qui nous fait grandir. Bon, après, il y a des parents qui ont décidé de ne pas grandir non plus, hein, qui restent quand même sur leurs acquis et leurs connaissances en disant que rien n'a changé en eux. Mais en règle générale, bonsoir Yasmina. Bonsoir Nathalie. En général, quand on devient parent, il y a des choses qui bougent, hein. Donc je sais que tout le monde n'est pas parent, donc ça peut aussi ne pas concerner tout le monde. Mais on peut aussi se mettre dans une posture où nous-mêmes, on a été... Voilà, ado, jeune adulte. Et on peut se revoir aussi avec des perceptions aussi, comment dire, d'autres positionnements. C'est toujours intéressant, je trouve aussi, de se mettre dans les yeux de quelqu'un d'autre. Des fois, en thérapie, on fait ça, hein, de se mettre à la place de l'autre. Et ça nous enseigne énormément sur ce que les gens, ben nos parents, là pour le coup c'est la thématique des parents, hein, mais voilà, vivent aussi. Parce que des fois on n'a que son point de vue, sa perspective personnelle. Alors sa perspective d'1 m 70, de 60 cm, d'1 m 10, peu importe. Mais on a ce regard à soi et puis il y a le regard des parents. Et des fois c'est pas le même regard. Parce qu'on ne se met pas à la hauteur non plus de l'autre qui perçoit. Et donc forcément, si on reste sur chacun campé sur nos positions, on peut se tromper évidemment. On peut se tromper parce que ce sera forcément erroné, évidemment. Est-ce que vous avez envie de participer, me dire des trucs sur ce que vous avez senti du thème? Qu'est-ce que ça vous évoquait, ce thème de parents chemin initiatique? On peut faire des chemins initiatiques sans les enfants, évidemment, hein, mais le fait d'être parent... Ça donne une responsabilité évidemment différente et ça bouge pas mal de lignes. Hein. Je ne sais pas si vous avez envie de partager sur... S'il y a des thérapeutes, et là en l'occurrence, Yasmina, si tu as envie de partager des choses aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas si toi-même en cabinet, tu as des demandes autour du sujet du parent. Mais c'est un sujet qui est souvent très... mis de côté, on va dire, hein. On parle du job, on parle voilà, de sa relation affective, etc. Et on ne parle pas toujours aussi de ce qui gêne, parce que être parent, c'est pas toujours simple et facile, et des fois ça demande beaucoup de courage. Et des fois on élude aussi, on met un peu de côté toute cette partie de vie de nous, parce qu'on a l'impression que c'est plus personnel. Bah, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Beaucoup plus subtil, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me mets, Yasmina? Tu dis oui, beaucoup. Oh, je suis désolée, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit pour moi, c'est horrible. Je bouge le téléphone. Beaucoup la parentalité et la préparation psychanalytique à la naissance, ouais, carrément. La naissance, c'est au-delà de la naissance, se préparer à être parent. Parce que c'est sa propre naissance à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a un enfant, c'est... Il n'y a jamais rien d'acquis finalement. Hein. Tout est à remettre à plat, puisque encore une fois, l'enfant qui se présente à nous, il vient nous rebooster nos cellules, on va dire, hein, sur cette notion de naissance à soi-même. Chaque enfant a sa personnalité,
son histoire propre et chaque grossesse forcément sera différente. Donc on peut se préparer psychanalytiquement à la naissance. Mais déjà la préconception me paraît fondamentale. C'est pour ça aussi que je fais ce travail autour des parents aussi. Et voilà, des mémoires périnatales, c'est que des fois, tu vois, on veut être parent et on se prépare à la naissance, ou etc. Mais on ne se prépare pas à être parent, en fait. On se prépare plutôt à accueillir un enfant. Mais on ne se prépare pas soi-même aussi dans cette posture-là qu'on va... Comment trouver le mot ? C'est pas endosser, mais qu'on va laisser naître aussi à soi-même. C'est quelque chose de tout à fait unique et singulier et qui n'est pas concevable puisque ça ne s'est jamais produit encore. Mais même dans une deuxième ou une troisième grossesse et plus encore, ce sera toujours quelque chose qui sera différent à chaque fois. Même si on a la connaissance de la paternité ou de la maternité, ça va toujours faire appel aussi à des parties de soi qui sont complètement différentes les uns des autres. Même si de façon naturelle et biologique, les choses vont se passer de toute façon, voilà, le processus est enclenché, c'est OK, mais le processus intérieur, analytique, émotionnel. Et puis chaque grossesse voilà, sera aussi vécue dans un contexte différent. Un contexte voilà, social, économique, financier. Des fois, on n'est pas avec le même papa ou avec la même maman. Et donc forcément, tout ça, c'est aussi... ça joue sur les émotions. Je regarde, vous êtes toujours trois, vous m'avez toujours pas lâché, bon bah c'est cool. Et du coup j'avais envie de parler de, voilà, de cet émotionnel et de... Je parlais de courage tout à l'heure. Oui, ça demande du courage. Alors c'est pas forcément la première intention qu'on a quand on va devenir parent, on n'a pas l'impression d'être courageux. Déjà, des fois ça peut être aussi le parcours du combattant. Il y a Maya qui arrive avec un petit jouet dans la bouche et voilà. Et elle a... Voilà, on a envie des fois, oui, de... Comment dire, de se dire que, voilà, c'est naturel. Des fois, le courage vient aussi du parcours du combattant aussi pour devenir parent. Et des fois, on lâche la bride sur le reste parce qu'on a tellement ardemment désiré être parent et que ça a été très compliqué que le reste est un peu laissé pour compte. Mais oui, ça demande du courage parce que ça nous demande aussi de nous remettre en question, en fait, de façon perpétuelle et permanente. Puisque, voilà, c'est aussi à travers cette nouveauté, cette nouveauté du nouveau nous aussi qui est, soit, mais en relation à l'autre. Donc je vais faire un live qu'avec des chants de Maya derrière. C'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous l'entendez, dites-moi si vous l'entendez. Parce que des fois, on entend des trucs et on n'entend pas tout. Mais là, apparemment, je pense qu'elle est bien sur la vidéo. Ouais, ce nouveau nous, ce nouveau soi aussi. Ce nouveau... Ouais, Maya, merci. Ouais, ce nouveau nous, parce que forcément, c'est quelque chose de tout à fait unique et singulier. Donc, on ne peut pas se préparer à quelque chose... Ouais, la pauvre chatte malheureuse. Non, mais franchement... Ouais, en fait, elle a son petit rituel du soir. Elle ramène cette petite souris qui est une espèce de truc de jouet de chat. Hein, mais elle la ramène dans sa gueule comme si c'était le butin. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait faire dans ces moments-là, s'il faudrait faire la hola de la chatte qui ramène son joujou. Mais voilà. Bon, c'est comme ça. Et ouais, avoir ce courage aussi de se remettre en question, c'est ça que je voulais dire. C'est pas simplement du courage... D'avoir un enfant, c'est pas forcément courageux, c'est pas un acte téméraire. Quoique, il y en a qui vont vivre cette jeunesse de ces jeunes adultes qui ont une trentaine d'années et qui voudront préserver ce monde et cette humanité en disant à quoi bon faire des enfants. Du coup, ce serait courageux, un acte presque symbolique, héroïque aussi, de décider de ne pas mettre au monde d'enfants parce que justement, ce monde peut être hostile aussi à leurs yeux, voire en perdition, voire carrément tout est foutu. Et du coup, oui, ça pourrait demander du courage. Mais voilà, quand on franchit le cap, ou quand on dit aussi, quand je dis chemin initiatique, ça peut être aussi cet enfant qui, a priori, n'a pas été, pas forcément pas désiré ni souhaité, mais attendu de la façon dont nous, on l'aurait peut-être aussi voulu dans un contexte particulier.
Et donc, ces enfants-là, quand ils arrivent, et bah, des fois, ça demande aussi une forme de courage aussi, de se dire, OK, est-ce que je me sens prête ou je me sens prêt à ce moment-là de ma vie, puisque l'enfant est, qu'est-ce que je fais? Et donc, bah, déjà dans la perception de cet enfant qui est en train d'arriver là et de signaler sa présence, hein, alors quel que soit le terme de la prise de conscience, il peut y avoir cette forme de courage aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et ça peut être aussi très courageux aussi de mettre un terme aussi à cette aventure. Et on pourrait porter des jugements en disant que voilà, les personnes qui décident d'avorter ou de faire ce choix de ne pas passer par la parentalité, en tout cas comme de cette façon-là, eh bien, on n'est personne pour juger, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est le chemin de chacun. Je sais qu'il y a des grands défenseurs de la vie, mais c'est très compliqué d'être dans l'esprit de quelqu'un. Donc ça peut demander aussi beaucoup, beaucoup de courage, voilà, de vivre cette étape. Parce qu'on fait des choix à des moments donnés aussi de vie où on n'est pas forcément dans la pleine possession de tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc c'est un instant et c'est OK. Et chacun va le vivre à sa mesure, avec ses connaissances propres de l'instant. Je dis ça parce que j'ai rencontré aussi des femmes qui aussi avaient regretté d'avorter ou se sentaient coupables aussi, plusieurs années après, en ayant le souhait aussi d'être parent, que cet enfant ne revienne pas, lui ou un autre. Hein. Des fois, c'est pas toujours la même âme qui se réincarne, hein, mais voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Et du coup, ben oui, il y a des émotions dans ces moments-là, et ce courage-là aussi, c'est aussi d'affronter la réalité telle qu'elle est. Et c'est pas une punition de la vie, c'est... Il a fallu être héroïque aussi et courageux à un moment donné aussi pour décider de prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Et donc après, eh ben, voilà, on est plus sur le côté courage d'assumer aussi ce qui est, tout simplement, et sans porter de jugement à outrance sur soi. Donc ça, je vous parle de la fleur pine, pour ceux qui me connaissent. Cette culpabilité, ces regrets qu'on peut avoir aussi d'avoir acté à un moment donné, voilà, ce qui était juste pour nous à cet instant-là. Et encore une fois... On ne sait jamais ce qui peut se produire dans ces moments, puisqu'il y a des personnes qui vont pouvoir aussi agir comme ça, et ça n'aura pas d'incidence aussi pour elles. Hein. Vous voyez, psychologiquement, il n'y aura pas d'impact, et ce sera complètement... Je ne dis pas assumé, parce que je ne sais pas si c'est assumé, c'est déjà pour moi une forme de jugement. Je ne sais pas quel terme je devrais y mettre du reste, hein. Mais ce sont des personnes... J'ai rencontré des personnes qui, voilà, qui ont clairement... décider d'avorter, pour lequel il y a pas de remise en question, il y a pas de discussion, c'est OK, c'est factuel, et ça n'engendre pas d'émotionnel particulier aussi. Et voilà, c'est comme ça. Donc on fait avec. Et quand je parle de courage, je parlais de Mimulus, hein. On peut y avoir affronté beaucoup, beaucoup de peur, évidemment. Parce que, voilà, savoir qu'on va devenir parent. Je suis partie là-dessus sur la genèse de la maternité ou de la parentalité, parce que voilà, il m'a été dit qu'il y avait de la préparation à la naissance, mais du coup, je reparlais aussi de la naissance à soi. Et dans cette perception-là, on est déjà dans une notion aussi de, voilà, d'affronter ses peurs aussi, parce qu'on peut désirer ardemment être parent et pour autant être flippé, comme c'est pas permis. Parce que voilà, c'est le propre aussi du chemin initiatique, on va dire, de la maternité ou de la parentalité, c'est aussi d'affronter ses peurs, quelles qu'elles soient du reste, hein, parce que ça peut être des peurs matérielles, souvent, ça peut être ça aussi, hein, du reste, ça peut être aussi un frein au désir d'être parent, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir assurer voilà, matériellement pour apporter le confort nécessaire à un enfant. Vous avez vu qu'on vit dans un monde de luxe, hein, quand même. Là, on est quand même en Europe, dans un pays quand même assez riche. Hein, donc, on peut considérer que voilà, il y aura toujours des solutions. Mais voilà, on traverse des périodes, on traverse des temps qui sont plus ou moins faciles
à traverser, économique, professionnel et autres. Donc j'aime énormément ton approche différente de la mienne, mais totalement complémentaire. Bah, écoute, merci beaucoup Yasmina, vu le cursus que tu as professionnel, je suis extrêmement touchée. Merci beaucoup. Ouais, c'est évidemment que c'est complémentaire. Mais tu vois, c'est... Alors, ouais, j'ai fait un parcours aussi avec la thérapie de la vie intra-utérine. Et donc, voilà, des perceptions que j'ai et qui ne sont pas forcément ni très analytiques en termes... Voilà, j'ai pas de base solide là-dessus, en tout cas. Mais j'ai quand même des bases. Et en même temps, j'ai aussi mon parcours de vie, tu vois. Et cette écoute émotionnelle des fleurs de Bac qui donne aussi de la profondeur. Je ne dis pas que dans l'analyse, il n'y a pas de profondeur. Attention, hein, ne faut pas interpréter mes propos. Mais je veux dire, cette profondeur de l'émotionnel qui me paraît évidemment fondamentale au-delà de l'analyse qu'on peut faire d'une situation. Ce qui me paraît fondamental, et c'est là où la complémentarité est vraiment, vraiment chouette, c'est de mettre des mots sur nos émotions et qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Et après, on peut aller faire de l'analyse si on en a envie. Et voilà, je trouve que c'est important d'être doux avec soi. C'est pour ça aussi que je parle des fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, je veux être formée. Mais oui, carrément, Yasmina, mais tu vas le faire. Tu vas venir à une formation et tu feras ce qu'il faut. Mais je comprends, tu verras, ce sera hyper complémentaire. Et j'ai déjà formé une psychologue clinicienne et elle aborde son travail complètement différemment maintenant, tu vois. Et c'est vachement intéressant. C'est autre chose. C'est autre chose, mais comme tu dis, très complémentaire. Et ça donne... voilà, ça donne... Alors, je ne sais pas si le mot profondeur, c'est forcément adéquat, mais... Tu vois, il y a ce petit supplément d'âme, je vais dire. En même temps, il y a de l'âme quand on fait de l'analyse. Voilà, ce n'est pas le sujet, mais... Il y a quelque chose de très unique dans cette approche aussi de l'écoute. Merci Nathalie. Oui, Nathalie a fait son niveau 1 avec moi en visio et donc elle sait de quoi elle parle. Et puis elle sait, puis elle est témoin des 5 autres étudiants, hein, parce que c'est pas une formation en solo. Oui Maya, c'est bien, tu l'as ramenée ta souris. Je vais aller la chercher la souris, vous allez comprendre de quoi je parle quand même. Hein. Bon, du coup Maya me ramorte son butin, donc je prends le butin. Viens, je vais te montrer à la caméra, montrer que tu es une bonne Maya qui a ramené son butin. Le butin, voilà, le voilà le butin. Vous savez tout du butin. Voilà. Donc, elle jette cette souris, elle se la ramène et elle braille comme vous êtes en train de... Alors, je ne sais pas, c'est certainement pas brailler. Je pense que si elle m'entend, elle ne va pas être contente. Mais c'est la victoire de Maya. Donc, je rejette le butin, la souris, et elle va peut-être la ramener. Bon, elle fait partie de mon histoire, donc elle est là. Je ne peux pas faire semblant, en fait. Ouais, j'étais en train de dire, ouais, Nathalie est témoin aussi des 5 autres étudiants avec lesquels elle a participé. Donc, c'est pas, je la paye pas, hein, Nathalie, pour me dire que je suis une très bonne formatrice. Bon, on est plein de bons formateurs. Après, voilà, j'y amène aussi ce que je suis dans mon tempérament, mon caractère, ma pédagogie et ma façon d'être, évidemment. Hein, c'est ça et pas autre chose. Quel beau cadeau pour Maya. Ben ouais, en fait, c'est carrément cool, quoi. Je suis très contente d'avoir ce cadeau que j'ai déjà à la maison, en fait. Mais elle a l'impression d'avoir amené, je ne sais pas, une pie ou... Je sais pas. C'est vraiment mignon. Mais vous savez, quand on vit... Ben justement, ça parle d'émotionnel, là. Elle est parent, peut-être, elle va ramener le butin pour ses chatons, qu'elle n'aura jamais. Mais il y a un truc aussi... comment dire, c'est ça qui est le côté primitif aussi de la ritualisation, de ce geste, d'aller chercher quelque chose et de le ramener. Je trouve que c'est vachement intéressant aussi. Et il y a de l'émotionnel là-dedans chez Maya, quand elle ramène ce petit butin. Il doit y avoir dans ce langage de chat, avec cette espèce de râle un peu guttural comme ça, quelque chose de très profond, en fait, qu'elle est en train de me dire. Voilà, je t'ai ramené un truc, quoi. Genre, bouge-toi et fais quelque chose. Et évidemment, j'y trouve de l'émotionnel de là-dedans. Donc, je suis très respectueuse du travail de Maya. C'est important. Donc, voilà. Ouais, donc, je parlais de tout ça. Je parlais du courage, évidemment. Du courage d'être parent. Du courage d'être soi aussi et d'affronter ses peurs. Parce que oui, on peut avoir peur. Et puis, évidemment, on peut manquer de confiance en soi. Et c'est pour ça que je parlais
de chemin initiatique, c'est-à-dire que c'est vachement beau de passer aussi par ce chemin-là. Je dis ça parce que je regarde beaucoup de choses, je m'informe beaucoup, je lis aussi. Et la perception qu'on peut avoir de soi en tant que parent, ça peut, pour ceux qui ne sont pas parents justement, ça peut être extrêmement soit lourd, soit compliqué, soit complexe, etc. Et ça l'est de fait. Hein. Et en même temps, bonsoir Sophie. Et du coup, je trouve que c'est important de prendre soin de soi dans ce rôle de parent et qui est pas à négliger parce que je veux pas non plus le sacraliser, hein, mais je veux dire, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir à quel point on peut évoluer aussi à travers ce chemin. Maya a décidé de faire n'importe quoi ce soir. Ah, maintenant, elle est allée chercher un autre truc. Bon, ok. Le chemin de soi, quand on s'observe comme ça, sans se regarder le nombril toutes les 4 secondes, hein, mais de se dire qu'il y a un avant et un après, c'est pour ça que je parlais des fois de quand on est plusieurs fois par an, c'est vachement joli de voir le chemin que l'on peut faire à travers cette initiation à la parentalité. Oui, on peut être perçu comme soit des râleurs, hein, jamais contents, ou qu'on va se plaindre de l'enfant, soit que ça nous confronte beaucoup et des fois on a honte justement d'être confronté, voilà, pour parler de Pine, hein, d'être confronté à ce type d'émotionnel parce que on se prépare pas à tout ce que l'enfant va nous faire vivre en fait. On veut être parent, c'est tout, on veut être parent. Ou alors on ne veut pas et on est parent, point barre. Voilà, c'est comme ça, c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais dans le soit l'un ou soit l'autre, de toute façon, on y est et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on traverse et on traverse le chemin. Et ce chemin-là, ben, on peut soit faire du surplace et piétiner et râler, hein, et en vouloir à l'enfant, à son comportement, à la situation, au père qui est absent, au père qui est trop présent, à la belle-mère qui ceci ou à cela. Ce qui est intéressant, c'est de se confronter soit à nos limites, et donc pour ça, il faut avoir un peu de courage aussi, et de se remettre en question pour pouvoir accompagner au mieux ces périodes qui vont durer des années, et se préparer aussi à ce chemin-là avec bienveillance, clémence à l'égard de soi-même, parce que vraiment, il n'y a pas de bouquin, et même s'il y a des bouquins dessus, on ne pourra jamais tout raconter sur toutes les expériences que chacun des enfants vont apporter. Et puis, cette notion voilà, de courage qui va nous montrer à quel point on a franchi des étapes absolument exceptionnelles à chaque fois. Et c'est vrai que quand on peut manquer de confiance en soi, on peut aussi se regarder avec beaucoup de gratitude. Élever des enfants, vivre en famille, bah, c'est un peu comme le couple, hein, c'est pareil, c'est initiatique. Sauf que le couple, on est deux. C'est le mot couple. Hein. Mais quand on est des enfants, on a des enfants, bah, on est vraiment plusieurs à gérer. Donc c'est vraiment comme une entreprise, en fait. Hein. Il y a un chef d'orchestre, entre guillemets, il y en a deux. Des fois, il n'y en a qu'un. Et puis, des fois, on peut se passer le relais, des fois, on ne peut pas. Et puis, bah, y a le caractère et le tempérament de chacun. Donc, même les bébés ont déjà leur tempérament et leur caractère. Les tout-petits, donc forcément, on fait avec. Et là, on peut aussi regarder avec beaucoup d'admiration toutes les étapes que l'on peut franchir. Vous avez déjà vu aussi des personnes qui vont dire « Voilà, j'ai plusieurs jobs. Hein, je suis infirmier, je suis assistante sociale, je suis psy, je suis cuistot. » La femme de ménage, etc. Ben oui, on est évidemment multiples et il faut beaucoup, beaucoup prendre sur soi et beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience. Et quand on est sur ce chemin, ben on peut aussi voir toutes les belles qualités qu'on met en place quand on devient parent. Je ne dis pas qu'on n'en a pas avant, hein, évidemment. Mais des fois, ce n'est pas celles-ci qui vont être le plus sollicitées. Parce que quand les qualités, on les a, c'est comme les fleurs de Bac, vous voyez, quand on a des qualités, on n'a pas besoin de les exprimer plus que ça, elles sont là. Donc c'est OK. Ce qui nous contraint le plus, c'est tout ce qui nous empêche de faire vivre ces qualités, finalement. Sinon, tout va bien. Hein. Et quand tout va bien, on n'a besoin de rien. On a juste besoin de se laisser aller dans le flot de la vie. Mais encore une fois, on n'est pas tout seul. Et dans le pas tout seul, il peut se passer plein de choses.
Donc, ouais, je voulais vous parler de l'arche, le manque de confiance en soi. Et c'est à travers ce manque de confiance en soi, souvent, que le rôle de parent va être le plus sollicité, on va dire. Avec la culpabilité, souvent, et les peurs. Alors, les peurs, on va voir les peurs pour les autres. Hein. Mais souvent, on peut se dire... On peut s'en vouloir et se comparer aux autres et de se dire qu'on n'est pas en mesure d'accompagner notre enfant comme on le voudrait ou nos enfants comme on les voudrait. Et on va se déprécier parce que souvent aussi, l'enfant, quand il grandit, va nous montrer et va nous... Souvent, alors ça dépendra de l'éducation encore une fois, mais des fois, on ne laissera pas non plus notre enfant nous remettre en question et donc on ne tolérera pas qu'il puisse venir nous challenger, nous mettre à... en défi aussi d'une situation et on sera avec fermeté et on lui claquera le bec en disant je veux pas le savoir, c'est comme ça, un point, c'est tout. Ça, c'est la fleur de l'autorité qui va être parlée de Vine et ce sont évidemment des postures où on ne va pas du tout se remettre en question. Donc ça, c'est la fleur de la vigne et auquel cas, quand on ne souhaite pas être mis en question par nos enfants, bah effectivement, nos enfants vont se tourner ailleurs puisqu'ils savent aussi que les limites des parents, ça va être aussi... soit de passer outre cette limite-là, c'est-à-dire des fois le provoquer, le parent, en étant dans la provocation, en allant aussi se mettre des défis de son côté pour être sûr de pouvoir peut-être alarmer aussi le parent en disant « il y a quelque chose ailleurs et regarde, moi je vais le faire », soit de se conformer au désir du parent qui va couper court à la conversation, en posant des limites d'une telle fermeté qui sera, ce sera du non négociable, il n'y aura plus de possibilité non plus d'avoir un moyen de discussion, parce que quand c'est fermé et que c'est arrêté comme fin de non-recevoir, très tôt l'enfant sait aussi à qui il s'adresse. Il sait qu'il a comme parent. Déjà, il l'a choisi, donc il connaît déjà son tempérament. Et puis, il voit bien tout ce qui peut se produire, la façon dont le parent va se conduire avec lui, il le sait depuis tout petit. Donc, vous voyez qu'un enfant où on dit, il va faire des colères, où il se roule par terre, et puis après, il va grandir, il va devenir pré-ado, puis après ado, je veux dire, c'est pas une surprise. Vous voyez, l'enfant, il s'est confronté à son parent depuis longtemps. Donc, il sait que soit il fait museau, il se tait, et c'est pas chez lui qu'il va se passer quoi que ce soit. Soit il va rentrer dans le chou. Et c'est là où il faut avoir du courage et ne pas avoir peur de se laisser déstabiliser aussi par son enfant. On peut aussi avoir peur de son enfant quand on est un parent parce qu'on n'est pas, on se sent pas armé aussi pour pouvoir justement des fois avoir une forme d'autorité aussi naturelle et de se comporter aussi des fois comme un parent tout simplement. Avec un adulte aussi qui fait face et qui pourra aussi poser des limites quand l'enfant, justement, va franchir des espaces qui nous semblent pas tolérables, en fait. Donc, vous voyez, ça va se jouer toujours sur des espèces de cordes très, très ténues, en fait. Il n'y a jamais de règles, puisque c'est l'enfant qui nous les apporte, les règles avec nous, comme nous sommes à cet instant T. Donc, on va toujours jouer comme une espèce de danse un peu... il n'y a pas de... À mon sens, hein, voilà, je peux encore me tromper, mais quand il y a trop de dogmatisme et de rigidité et de catégorisation fermée définitive, ça ne laisse pas la place non plus à la respiration de qui chacun est à cet instant-là. Et pour le coup, on peut avoir des heurts et pour le coup, on peut aussi avoir des confrontations... qui sont des fois irréversibles aussi. Je dis irréversibles dans le sens où quand le lien peut être coupé comme ça et quand il n'y a plus de dialogue, vous voyez, ça peut être aussi compliqué pour l'enfant aussi d'aller à la charge pour rentrer dans le mécanisme du parent qui ne veut rien laisser lâcher, vous voyez. Et pour le coup... ça peut être très compliqué pour le parent aussi à vivre, mais s'il a décidé que ce soit comme ça, des fois, on peut aussi regretter après, Mais des fois, on peut regretter même très tard quand on devient grand-parent. Vous avez déjà entendu des fois
des enfants qui sont devenus parents, alors à 35, 40 ans, voilà, et qui vont dire à leurs propres parents, mais donc avec moi, t'étais pas comme ça. Parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes, et parce que j'espère que fort heureusement aussi, ces parents-là, à l'époque, voilà, depuis, ont évolué, sont remis en question. Et du coup, ont perçu aussi d'eux-mêmes des fragilités, des failles qu'ils ont arrêté de mettre en action et qui ont accepté aussi de se repositionner, de revoir leur façon d'être. Mais des fois, c'est pas avec leurs propres enfants. Vous voyez, des fois, c'est très compliqué, ça. Et du coup, c'est ça que j'appelle le chemin aussi initiatique. C'est vraiment d'avoir aussi, des fois, cette forme d'humilité, de se laisser... non pas... Le but, c'est pas de se laisser... coucou Fabienne, pas manipulé par les enfants. Bonsoir Claude, j'ai pas regardé. Bonsoir tout le monde. Le but, c'est pas l'enfant qui tient les rênes ou je ne sais quoi. C'est pas ce que je suis en train de dire, ni des enfants rois, parce que vous voyez ces expressions, je sais même pas ce que ça veut dire. J'intègre pas cette notion-là. Pour moi, l'enfant, il est. Je veux dire, mais il est pas roi en fait. C'est nous, l'adulte, qui avons mis une étiquette sur une posture que nous ne sommes plus en mesure d'avoir, en fait. Cette posture, l'étiquette de l'enfant roi, c'est nous qui avons donné cette étiquette à l'enfant. Lui, il ne se met pas dans une posture de roi. Je ne comprends pas ce système, en fait. Moi, j'ai jamais eu, sur mes trois enfants, je n'ai pas eu d'enfant roi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je pense que c'est une défaillance, à mon sens, de la posture de l'adulte, vous voyez, face à l'enfant qui va penser que c'est l'enfant qui décide de tout. Mais on peut très bien être ensemble et décider ensemble, écouter l'autre, ses besoins, être dans une forme de partage, de dialogue, de poser des limites. C'est pas une question de droit, vous voyez, on peut très bien être Vine. J'en parlais tout à l'heure avec une étudiante niveau 3 qui j'ai eu un petit catch-up là. Dans le cadre de ses études, et elle me dit « Oh là là, Vine, c'est vraiment la fleur que je déteste et tout, et celle avec laquelle j'ai plus de difficultés. » Je lui dis « Ouais, mais regarde, quand tu me parlais de ton fils tout à l'heure qui avait de la toux, et c'est son fils qui est un jeune adulte, bon, il est encore ado, mais voilà, je sais plus, 19 ans, ou voilà. Et ça fait des mois que ça a duré, qu'il tousse beaucoup, et il est éloigné de chez vous. Quand il est venu te voir, et en tout cas, t'es allé le voir dans sa ville, il n'y avait pas de possibilité de voir un... médecin, tu lui as dit maintenant on rentre à la maison, tu vas prendre rendez-vous aussi dans notre village et ça suffit, il faut faire quelque chose. Là, tu as usé ton Vine, mais sans problème. Et tu as dit voilà, maintenant ça suffit. Et donc, effectivement, il y avait une suspicion de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave si ça n'avait pas été pris à temps. Tout est rentré dans l'ordre, tout est ok. Et j'ai dit là, tu vois, là, tu as usé de ton Vine et ça t'a pas posé de soucis. J'allais dire saucé de pousy. Ça ne se dit pas. Poser de soucis. Et non, vous voyez, le problème de l'enfant roi, c'est nous qui sommes complètement désarmés, complètement lost, et on est incapable de faire figure d'autorité avec fermeté, avec clarté. Point, c'est non, point barre. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et même si l'ado de 19 ans ou de 20 ans a dit « Oh, mais quand même, maman, fait chier, machin », elle a dit « Ouais, mais ok, là, c'est bon, tu vas, on y va ». Et il n'y a pas eu... C'est non négociable dans ces moments-là. Il n'y a pas à tergiverser. On y va, point. On va chez le médecin. Et donc, moi, l'enfant roi, je ne sais pas ce que c'est. Un enfant fatigué qui se roule par terre, etc. Oui, mais un enfant roi, je ne sais pas. En psychanalyse, c'est la bonne loi, y mettre des limites de protection, les justes limites. Mais oui, mais carrément. Ce n'est pas possible de laisser péter les plombs un enfant. Je pense que c'est... Le roi, c'est cette espèce d'infantilisation, pour moi, du parent... qui se met dans une posture de valet. Impossible. Je ne suis pas le valet de mon enfant. Je suis le parent. Je suis le pilier. Je suis la structure, le fondateur. C'est moi, je suis la mère nourricière. Il n'y a pas à mettre une posture de roi sur un enfant. C'est moi la reine. C'est pas l'enfant. Et ça ne veut pas dire qu'il ferme son claquet et que c'est lui qui exécute mes ordres. C'est pas ça. C'est pas des sujets, les enfants. Je veux dire, on est dans le même royaume, on vit tous ensemble. Mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas lui qui décide. Et même s'il a son avis, on va négocier, on va écouter les besoins. Mais je veux dire, in fine,
c'est structurant d'avoir quelqu'un d'adulte et qui sait. Et même si moi je vois avec mes enfants, on peut en reparler plusieurs années après parce que ce sont des adultes, hein. Ben, il y en a certains d'entre eux sur certains sujets qui disent oui, tu m'as bien fait chier, mais tu vois, ça m'a servi, etc. Ben ouais, mais bon. Après, quand je dis bien fait chier, c'est avec toute bienveillance, hein. Mais oui, il y a eu des moments où ça a fighté, évidemment. Il faut que ça fight. Et c'est important que ça fight. Il ne faut pas croire que justement, on est dans un monde de bisounours. Et pour le coup, là, c'est ça le chemin initiatique, c'est de tenir droit. C'est ça l'initiation. C'est pas de mettre l'enfant dans une posture de roi en disant c'est lui ou à cause de lui, oh là là, qu'est-ce qui m'emmerde, etc. Bah ouais, ok, alors ça fait quoi? Ça fait moi dans une posture de victime? Aucun intérêt. Ça fait pas sortir de la situation. Ça, c'est Willow. Hein, les parents qui sont victimes de leurs enfants, eh ben pour moi, il y a un problème. Ça manque de responsabilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important aussi de reconnaître qu'est-ce que je peux faire là. Je vais essayer de trouver des solutions. À côté de quoi on pourrait être passé, et toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est vraiment être cet adulte aussi responsable et faire quelque chose qui va faire grandir et le parent et l'enfant. Et pas que l'enfant, parce qu'on n'a pas à que faire grandir les enfants. Moi, je le dis hein, souvent dans les lives, c'est vraiment, j'ai éduqué mes enfants, entre guillemets, mais c'est eux qui m'ont élevé. Élevé spirituellement aussi, hein, élevé sur ce chemin d'initiation, de qui je suis, comment je me positionne, comment je suis ferme, comment je suis courageuse, comment je suis face à des responsabilités, quel choix je vais faire là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est important. Et c'est grâce à eux que j'en suis là. C'est pas moi toute seule, vous voyez, c'est un chemin. Et donc ce chemin-là, quand on veut l'emprunter, on n'est pas dans une posture justement de « c'est moi le roi », non, c'est lui le roi. C'est une posture de simplicité et d'humilité aussi. Bonsoir Caroline. Je reconnais les noms et je me dis « ah, je connais !» Moon Équilibre et la momie, ben, bonsoir, mais je ne connais pas tous les noms... Et voilà, et donc pour le coup, pour moi, le chemin initiatique, c'est aussi reprendre sa posture d'adulte. Voilà, et ça, c'est ça qui fait grandir aussi. Parce que sinon, on se laisse déposséder et on peut pas. On ne peut pas démissionner de ce rôle-là. Merci Caroline, coucou. On peut pas, ou alors si on démissionne, ben, après, il y a beaucoup de parents qui sont déçus d'être parents, hein, vous voyez, qui veulent être parents, et puis quand ils sont parents... Ça gave, quoi. Ben ouais, ça gave. Ben ouais. Et je trouve que c'est des attentes, des fois, super infantiles. Je porte un jugement. Donc ça, c'est bitch pour moi. Parce que, voilà, c'est... Vous voyez, c'est pas un joujou, quoi, en fait. Hein. C'est pas je suis déçue, y a plus de piles, quoi. Il va falloir faire avec, hein. On peut pas être déçu, en fait. C'était quoi les attentes, en fait? S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception. Être parent, ça se découvre et ça se délite au fur et à mesure de la relation. Ce n'est pas une posture adoptée, ça y est, je suis parent, ça y est, c'est bon, quoi. Clic, 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 je mets mon petit manteau de parent, quoi. Bah ouais, mais c'est full time, c'est jour et nuit, c'est chacun de nos respirations tout le temps. Et c'est jusqu'à notre mort. On sera toujours les parents de nos enfants, quoi qu'il advienne, quel que soit leur âge. Donc on démissionne pas. Et si on démissionne, bah voilà, c'est notre chemin aussi, pourquoi pas, c'est ok. Mais je veux dire, on peut pas rusher la faute sur les autres. Du reste, certains enfants vont le dire. J'ai pas demandé à être ici. Ça, on n'en sait rien. Moi, je pense que si. Mais bon, c'est pas une réponse. Après, c'est tout un chemin d'éducation et de comment on perçoit la vie aussi. Voilà, quand on éduque les enfants avec une certaine conception du monde, de la vie, de la mort, oui, ils peuvent comprendre aussi qu'ils sont certainement là de leur plein gré. Hein. Au-delà de l'attente désirée et très factuelle du parent ou des parents. Voilà. Et de leur répondre, voilà, une question, une réponse ou une autre, peu importe.
Mais ok, t'as pas demandé à venir ou t'as demandé à venir, mais ok, mais on fait quoi? De toute façon, on va pas démissionner ni toi ni moi. Tu seras toujours mon enfant, quoi qu'il advienne. Tu peux pas démissionner. Tu peux changer de parents de façon très imagée et te choisir d'autres parents, oui. Tu peux changer de prénom, etc. Tu peux changer de nom de famille si tu veux prendre le nom de ton mari, si tu t'es épouse ou je ne sais quoi. Mais voilà. Mais de facto, on sera toujours liés. Donc voilà, la démission, elle peut venir ni de l'un ni de l'autre, en fait, hein. Vous avez vu à quel point c'est que peut être compliqué les relations familiales, hein. Donc être parent, c'est évidemment initiatique. Il y a combien de parents qui sont en conflit avec leurs enfants et les enfants qui sont en conflit avec leurs parents. Donc oui, c'est un chemin initiatique et c'est pas que l'enfance, hein, c'est les parents au sens large du terme. Donc entre guillemets, il faut se coltiner nos parents jusqu'à notre mort et pareil pour eux. Donc on apprend énormément les uns avec les autres à nos contés perpétuels en fait, hein. C'est aussi important de s'épanouir en tant que personne exactement pour devenir le parent attentif qui accompagne son enfant. Oui, complètement. C'est important. Mais tout comme lui aussi, c'est important aussi qu'il ait sa vie sociale sans nous. C'est pour ça que voilà, il a besoin aussi de se sociabiliser, d'avoir ses potes, même ses potes à la crèche qui ont 12 mois. Et lui, il en a 13, ben c'est ses potes à lui aussi. Et donc, c'est vachement important, bien sûr, de se détacher pour se retrouver et créer du lien différent, quoi. Et oui, et du coup, oui, je rebondis, Caroline, évidemment. Et c'est là, justement, le drame du parent sur son chemin initiatique, de ce fameux... Je dis soi-disant parce que il y a des personnes qui le vivent comme ça et c'est inscrit dans l'analyse. Et donc, c'est un terme qui est nommé comme ça, de syndrome du nid vide. Mais c'est toujours pareil, hein, ce sont des termes. Ok, hein, pour moi c'est comme la ménopause, vous voyez, c'est du même acabit quoi en fait. C'est toujours, on a plein d'étiquettes. Hein. Ok, on s'en fout de l'étiquette, mais en tout cas, ces personnes qui vivent dans ce désarroi parce que l'enfant a quitté le foyer, quid de son histoire perso quoi. Accepter qu'on n'est pas des dirigeants et de sa vie et de les guider, ouais, exactement. On ne dirige pas sa vie, enfin leur vie, on va les guider à bonne distance, ouais, carrément. Carrément, moi je dis souvent, on est comme un tuteur, tu sais, c'est voilà, comme une plante, quoi, hein, qui va pousser. Bah, des fois, il faut un petit bâton pour que la plante puisse savoir un petit peu au cas où elle se fatigue, elle peut se reposer, puis s'appuyer aussi pour pouvoir grimper, s'épanouir. Voilà. Et on va donner le terreau, mais pas que, il n'y a pas que nous, encore heureux, hein. Il y a de l'eau, il y a des engrais, il y a plein de trucs, il y a plein de choses. Et puis voilà, ça va prendre racine et ça va être ok. Mais ouais, c'est important aussi d'aller nourrir sa perception de qui l'on est en dehors de cette perception qu'on a de nous en tant que parents. Et donc du coup, oui, c'est un chemin initiatique aussi d'apprendre aussi à se détacher et de ne plus être en forme de fusion de l'appartenance à l'autre. Donc là, je vais parler de chicorie. Et qui peut justement apporter beaucoup de déceptions. Chicorée, qui est vraiment cette notion d'avoir envie que les gens soient près de nous. Alors les gens, ils sont petits, c'est ok. Quand il est au sein et au biberon, c'est légitime, mais il n'y a pas de place de chicorée, hein, vous voyez, c'est voilà, c'est normal, entre guillemets. Mais à partir d'un certain âge, voilà, c'est bien aussi d'avoir son chemin chacun et les enfants ne nous appartiennent pas. Vous rappelez à chaque fois, j'ai pas mon bouquin là sur les enfants, mais je cite Khalil Gibran à l'intérieur sur la citation sur les enfants, qui me paraît fondamentale. Hein. Donc oui, les enfants ne nous appartiennent pas. Ils viennent à travers nous. On est à leur côté. Mais il faut les laisser libres. Et donc chicorée, c'est cette amertume qu'on peut avoir. Vous voyez, dans la chicorée aussi, il y a de l'amertume. Hein. Et dans la chicorée, justement. Il y a cette notion d'amertume, de pas être aimé comme on le souhaiterait, etc. Oui, Khalil Gibran, ben, voilà ce bouquin que j'ai acheté, enfin que j'ai écrit sur les enfants, je le cite à la fin, et j'ai mis un chapitre justement sur les parents. C'est pour ça que j'ai fait ce programme aussi sur les parents, là, accompagner les parents, que je vais continuer à enrichir, mais bon, j'ai voilà une personne qui m'a fait un retour très. Je mettrai les. Elle m'a dit qu'elle m'autorisait à mettre, enfin, à partager son commentaire.
Et c'est plutôt assez élogieux, donc je suis très contente parce que c'est toujours important de faire des trucs, c'est cool, mais d'avoir un retour, c'est encore mieux parce qu'on ne se rend pas compte toujours de ce qu'on fait et comment ça va être interprété. Et donc voilà, j'avais pris un truc, mais je ne sais pas si je le retrouve pas. Mais bon, bref, elle trouve que c'est très bien. Et voilà, et oui, Khalil Gibran, pour moi, ce texte est fondateur de ma conception. Voilà, il a mis des mots sur mes valeurs profondes. Sur la maternité, la paternité et sur mon rôle de parent. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Et je dis pourtant mes enfants. Bien sûr que ce n'est pas les enfants du voisin, mais les enfants du voisin pourraient venir et je pourrais avoir les mêmes attitudes avec lui. Vous voyez, ce sont aussi mes enfants. Donc, vous allez me dire, non, je ne suis pas possessive du tout. C'est pas dans cet esprit-là. C'est au sens plutôt. Universel, je dirais, large du terme, vous voyez, c'est pas plus mes enfants que les miens. Donc pour moi, c'est ok. Mais à partir du moment où on est ensemble, il y a cette interaction, on peut dire, voilà, on est proches les uns des autres. Et donc, bah, du coup, oui, chicorie, la possessivité. Eh bah, ben écoute, je suis très touchée de le lire. Ouais, ce texte est posé sur ma table au cabinet. Bah ouais, carrément. Carrément, Yasmina, parce que là, pour moi, c'est. C'est. Je vais aller le chercher, il est là le prophète. Je vais le relire hein, comme ça. Mais c'est pas la première fois que je le lis. Hein, mais j'ai une très vieille édition, donc je suis très contente. Mais ouais, dans mon bouquin, vous irez le chercher. Hein, c'est à la fin du bouquin. Mais c'est le premier en plus, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment le premier qui, sur tous les textes qui commencent, c'est celui-ci. Donc c'est. Alors, il parle du mariage et il parle. Attends, j'ai dit c'est le premier, mais non, dans un autre bouquin, c'est pas le premier. Alors, attends, je dis peut-être des conneries. Non, c'est pas le premier ici. Non, là, c'est ici, c'est le troisième. Dans une autre édition, ça me paraît bizarre, c'était le premier. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit parlez-nous d'enfants. Et il dit vos enfants ne sont pas vos enfants. J'adore cette phrase. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui l'a écrit. Hein. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers nous, mais ne sont pas de nous. Et bien qu'ils soient avec vous, pardon, ils ne vous appartiennent pas. Bonsoir Vanessa. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. Car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne vit pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants comme des flèches vivantes sont projetées. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini. Et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. J'ai insisté sur les mots parce qu'il y a des majuscules. Je vous montre à l'envers, mais il y a des majuscules. Que votre tension par la main de l'archer soit par la joie, car de même qu'il aime la flèche qu'il vole, il aime l'arc qui est stable. Donc vous voyez cette notion de rigueur aussi, de fermeté, vous voyez cette stabilité aussi, et en même temps se laisser aussi aller. Hein, il vole, c'est-à-dire qu'il est complètement libre d'être ce qu'il est en fait. Hein, et ça, c'est vraiment un chemin initiatique pour le parent. Et déjà tout petit, vous voyez, on peut déjà avoir ces notions-là dès la naissance d'un enfant et dès la préconception, selon moi. C'est-à-dire que quand on veut, comme on parlait ici à Asmina depuis le début, en disant, voilà, il y a des gens qui vont se préparer à la naissance, ouais, mais déjà dans la préconception, quand on est déjà dans cette conception-là de la maternité, de la paternité, on est sur un... Ouais, merci, merci beaucoup Yasmina. Ben, c'est un texte, en fait, c'est une prière. Hein. Voilà, et je trouve que cette phrase, elle est juste incroyable.
Leurs âmes habitent des maisons de demain que vous pouvez visiter même pas dans vos rêves. Je trouve ça juste incroyable. C'est pour ça quand on parle de la jeunesse un peu mal en disant « Ouais, ils font chier avec leurs trucs, avec leurs ordi, ils sont tout le temps devant leur téléphone et tout. » Mais foutez-leur la paix en fait. Parce qu'ils sont justement dans ce monde de demain dont on n'a même pas conscience, hein, vous voyez. Donc voilà, nos parents aussi nous ont emmerdés en disant « Ah, mais arrête et tout, arrête de bouquiner ou arrête de rêver, bidule. » Ouais, mais si, on a rêvé, maman. Oui, si, si, on a bouquiné. Et on en est là aussi en tant qu'adulte, quels que soient nos corps, nos âges, etc. Hein. Mais évidemment, nous aussi, on a été aussi dans ce monde de demain que nos parents n'avaient pas accès. Et donc dites-vous que vos enfants aussi, c'est pareil. Hein. C'est pareil, ça se perpétue en fait. Donc, alors peut-être que quand on vient de grands-parents, quand je parlais de ces fameux grands-parents qui se remettent en question après en disant « Bah voilà, moi, voilà, c'est vrai qu'à ton époque, j'étais emmerdée, etc. » Ou que les enfants vont dire « Et donc, tu te comportes mieux avec mes petits-enfants que moi-même à leur âge. » Bah, peut-être que justement, il y a une forme de sagesse peut-être qui s'est aussi ancrée voilà, chez cette personne-là pour aplanir, assagir un certain nombre de plaies aussi. Parce que des fois, il y a cette quête de perfection aussi quand on veut être parent, d'être un espèce de parent exemplaire ou je ne sais quoi, avec des modèles qui sont justement d'une forme de modélisation qui n'est pas en adéquation avec qui nous sommes ou l'enfant qui est devant nous, qui n'est pas l'autre enfant et qui n'est pas encore celui-là, c'est celui-là qu'on a. Et donc, les modélisations qu'on peut avoir, les représentations de notre rôle de parent, bah, faut casser les moules, hein, parce que si on reste là-dedans, on est dans une forme de psychorigidité et là, justement, ça ne laisse pas la place à l'envolage de l'enfant et de la flèche. Hein. On est dans nos peurs, on est dans la culpabilité, on est dans le ressentiment parce qu'il ne nous donne pas comme quand même après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais être quand même quel ingrat, etc. Vous voyez ? Ou la victimisation aussi de se dire, de toute façon, voilà, c'est toujours comme ça qu'il se comporte avec moi. Voilà, moi, j'ai vraiment pas de chance avec mes enfants. Non, ce n'est pas que tu n'as pas de chance, c'est que c'est ta relation à tes enfants. Tu la co-construis, en fait. Hein, il n'y a pas de... Comment dire ? Ouais, merci Vanessa. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de fatalité dans la relation à l'enfant. Moi, je trouve ça très irresponsable comme attitude de la part du parent. Pour moi, c'est une forme de démission. Parce que sous prétexte que ça nous gave, encore une fois, ce n'est pas un objet dans le mais une pile. Et puis quand il ne marche pas, ça nous emmerde parce que la pile ne fonctionne plus ou que le bouton a enclenché et je ne comprends pas pourquoi il ne se déclenche pas. Ben, en fait, il faut faire avec. On est dans la nature, on est dans la vie, on est dans le mouvement. Il n'y a pas de modèle, en fait. Il n'y a aucune loi, il n'y a rien. C'est à nous de tout co-construire tout le temps. Donc quand on démissionne dans son rôle de parent parce qu'on justement, on est dans l'amertume, on est dans le reproche à l'autre... Moi, j'ai une histoire aussi avec ma mère. Évidemment, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas ? J'ai aussi une perception, alors, pour parler de toi et ton travail, Yasmina, mais analytique, personnelle, évidemment. C'est une lecture qui est d'une grande évidence. Alors, c'est souvent soit on fait avec et on veut coller, faire un copier-coller, soit on réfute tout et on se dit, oulala, surtout pas. Et puis, des fois, on fait un mix des deux, puisqu'il y a toujours du bon et du... un peu du moisi, donc on laisse le moisi et on va chercher la lumière. Et évidemment, quand on a ce type de parent toxique, démissionneur et apitoyé sur lui, incapable de jouer son rôle ou qui va être infantilisant et dont l'enfant doit lui-même jouer le rôle d'adulte aux côtés du parent, mais c'est un vrai cauchemar en fait. Donc voilà, vous voyez que ça fait appel après à nous, les parents ou les enfants, dans des postures d'adultes, des fois, qui sont complètement, comment dire, décalées, en fait. On ne devrait pas être dans ces postures-là. L'enfant, ça reste un enfant, et un parent, ça reste un parent. L'enfant n'a pas à prendre en charge la posture de Caliméro de son parent. C'est à lui de gérer. Et c'est pas à l'enfant de réparer le parent. C'est pas son rôle. Donc, et même si le parent est malade et nécessite des soins, etc. C'est pas, vous voyez, on peut être dans le soin, dans le care, dans la protection, dans l'amour, etc. Mais on n'est pas né sur terre pour s'occuper de nos parents, en fait. Et les enfants ne sont pas là pour s'occuper de nous. C'est à nous de gérer nos relations avec l'argent, avec notre corps, avec l'alimentation, avec notre job, avec tout en fait. Avec notre sexualité, et sans parler forcément de relations incestuelles, etc., hein, même des fois incestueuses. Hein. Mais voilà,
voyez, c'est, il y a quelque chose de l'ordre du parent là qui n'est pas à sa place en fait. Hein. C'est, il y a un truc qui dysfonctionne. Et donc, c'est que le parent ne l'a jamais été adulte dans ces moments-là. Ou s'il l'a été peut-être très peu ou par intermittence. Mais du coup, ce chemin initiatique, forcément, ça révèle beaucoup de failles et beaucoup de faiblesses chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Après, vous voyez, ça se perpétue et on devient après des adultes qui refont des enfants, qui gna gna gna, et ça n'a pas de cesse finalement. Et donc, ce monde aussi dysfonctionne beaucoup de là. Et je ne suis pas en train de dire ne faisons pas d'enfants quand on n'est pas en capacité d'eux, parce que je ne porte pas de jugement. J'en sais rien qui est capable ou pas capable. Parce que des fois, on se sent dans une forme de vulnérabilité, d'une incapacité totale. Et parce qu'on se dit, mais je ne serai pas capable. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, financièrement, intellectuellement, psychiquement, affectivement, etc. Et puis, bah, des fois, justement, ce sont nos enfants qui viennent de façon complètement inconsciente, mais réparer des parties de nous qui font décupler justement cette grande, j'allais dire noblitude, ça ne se dit pas, mais voilà, il y a quelque chose d'un seul coup qui va s'épanouir aussi dans le parent et qui va reprendre complètement son. Et ça fait écho à plein de choses qui se réalignent direct et qui font que toutes les croyances ou les préconceptions de croyances du je suis nul, je suis pas capable, je vais pas y arriver, j'ai peur. C'est complètement mis de côté au service justement de cette fonction, de cette, de ce contrat qu'on a signé d'âme à âme, à se dire ok, allez, j'y vais et c'est bon, tu peux compter sur moi, je suis là quoi qu'il advienne en fait. Et voilà, et je t'aimerai aussi inconditionnellement. Voilà, par définition, l'amour, il n'y a pas de condition. Donc vous voyez, il y a aussi beaucoup de parents qui vont donner des enjeux comme ça, qui sont d'une grande charge mentale aussi pour les enfants, c'est juste intolérable, quoi. Et quand je dis ça, c'est, encore une fois, je sais de quoi je parle, hein. C'est un truc de fou, quoi. Et forcément, ça laisse des traces. Et voilà, moi, je sais, j'ai su aussi les transcender, tant mieux. Et voilà, je dis pas que je suis au service des âmes des enfants, là, et de vos enfants intérieurs, mais voyez, c'est aussi important d'aller réparer toutes ces parties-là de soi, parce que chaque fois dans nos vies, nos enfants, si on en a plusieurs, et c'est ça que je trouve magique dans la multiparentalité, mais des fois, on n'est pas parents d'enfants de plusieurs, mais on a nos frères et nos sœurs, ou nos copains et nos copines, et on fait, oh là là, d'accord, ok. L'enfant de ma meilleure amie va me challenger pendant un week-end. Je veux dire, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'est pas obligé forcément d'être parents pour être challengé par les enfants, parce que de facto, un enfant, c'est vraiment là pour nous foutre des coups de pied au cul en disant, mais bouge-toi en fait, arrête avec tes conceptions. Vous avez déjà après l'adolescence, le corps qui change, ils nous envoient bouler parce qu'ils veulent plus mettre telle fringue, etc. Et on se dit, non mais attends, c'est plus mon bibou, mais. Mais je t'emmerde, je ne suis plus ton bibou, non, je fais déjà 1m60 et arrête de m'appeler bibou devant tout le monde. Et là, on se recale, on fait, oh ouais, t'as raison, excuse-moi. C'est du respect, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être des petites choses comme ça, mais chez les enfants des autres, c'est pareil. Les enfants aussi nous provoquent, et tant mieux, parce qu'ils ont cette parole facile. Et des fois, ils ne nous épargnent pas, et tant mieux. C'est pour ça que je parlais de Vine tout à l'heure, vous savez, cette fleur de l'autorité où certains enfants vont se conformer au côté péremptoire du parent qui va dire non, non, et qui n'aura pas la possibilité de discuter. Après, il y a des parents avec lesquels ça n'est pas possible, en fait. Hein. Et il y a des enfants qui ont capitulé aussi d'avoir un contact avec leurs parents, quel qu'il soit du reste. Hein. Donc ça, c'est Vine. Et du coup, là, effectivement, il n'y aura pas de négociation, donc il n'y aura pas de confrontage, et il y aura du respect en disant, bon, voilà, c'est pas possible avec eux, je ne vais pas me confronter, je ne vais pas me provoquer, c'est moi qui me barre, basta. Où je coupe la relation et c'est fini quoi. Et justement, ils sont là aussi pour nous challenger. C'est magnifique en fait. Pour moi, c'est ça vraiment le chemin initiatique, c'est d'être dans cette forme d'humilité. Et voilà, encore une fois, c'est pas une psychanalyse les enfants, hein, mais c'est cette forme de vraiment de conscience de cette forme de vulnérabilité aussi qui va être merveilleuse parce que c'est là-dedans qu'on va voir toutes nos forces et nos qualités. D'avoir été en mesure de pouvoir être plus tolérant, plus bienveillant. Évidemment qu'on peut être extrêmement intolérant à l'égard de nos enfants, à les critiquer, à les juger. Bon, j'ai parlé de piercing ou je ne sais quoi, mais ça pourrait être ça par exemple, hein. Je viens de retirer une lumière, il y a un peu d'ombre. Je remets la prise tout de suite. Je remets, désolée, le petit truc technique. Voilà.
voyez la fleur bitch qui est la fleur de la critique. Vous voyez comme on peut être dans ces moments-là très critique et acerbe aussi avec cette forme de catalogation que l'on a sur les choses qui doivent être ou pas être selon nos préceptes de parents par rapport à un pré-ado ou un ado, etc. Des fois, on ne met pas beaucoup de gants et beaucoup de bienveillance à l'égard de ce que nous jugeons étant nul. Oui, je donnais l'exemple, par exemple, des réseaux, des téléphones, des ordis. On n'en sait rien. Moi, je me rappelle de copines comme ça qui m'ont beaucoup parlé en mal, entre guillemets. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes derrière ce mal. Hein, vous inquiétez pas. C'est qu'on n'est pas simplement acerbe et caustique juste pour emmerder le monde. C'est parce qu'il y a de la peur derrière, évidemment, pour eux. Mais au départ, c'est quand même « il pourrait faire ça, il ne fout rien, gna gna gna, il n'en fait pas une ». Et finalement, ce sont des mômes qui ont eu des bacs avec mention. Donc, vous voyez, je veux dire, à quel point le parent est dans une forme de critique et de non-perception de l'ensemble. Et le parent voudrait qu'il arrête de faire ça et tout, mais peut-être que pour la construction de l'enfant, c'était son chemin. Et du reste, pour un des enfants que j'ai connu, c'est un enfant aussi qui ne fait que des trucs avec des ordinateurs. Donc vous voyez que des fois, les chemins des enfants qu'ils empruntent ne sont pas nos maisons, comme me dit Khalil Gibran, vous voyez. Les maisons auxquelles on n'a pas accès, c'est même pas dans nos rêves. Donc arrêtons de les emmerder, en fait. Des fois, c'est le chemin de l'enfant, c'est pas le nôtre. Donc arrêtons de les critiquer aussi. Je vais lire ce que dit Caroline. Très intéressant, ça fait écho à ce que je vis. J'apprends à lâcher prise sur mes attentes inconscientes par rapport à mes ados. Eh bien, écoute, Caroline, merci. C'est le petit programme que j'ai fait en ligne. Du coup, je vais rebondir et je vais revenir sur ce que j'ai dit après sur Beach et la peur, hein, parce que je ne perds pas le fil, vous inquiétez pas. Je fais un peu d'auto-promo. Mais je vais lire ce que m'a dit la maman qui a acheté le petit programme que j'ai mis en ligne, là. Elle dit... Donc déjà, dans un premier temps, je l'avais sollicité savoir ce qu'elle pensait. Et elle a acheté mon bouquin aussi. Donc voilà, c'est un peu double effet qui se coule, mais parce que le programme, je l'ai appelé accompagner les enfants. Et j'ai fait un peu exprès parce que je l'ai appelé exprès comme ça. Et normalement, en fait, je devrais l'appeler accompagner les parents. Mais si je l'appelle comme ça, personne ne va acheter ce programme parce que tout le monde va dire... Je n'ai besoin de rien, merci beaucoup. Je sais très bien m'occuper de mes enfants. Mais non, en fait, c'est exactement le thème du live. Hein. Mais non, on est tous pareils. On a aussi besoin d'évoluer, de grandir et de se remettre en question. Et du coup, cette maman, elle s'appelle Marie et elle dit « Je pense prendre le programme en complément du livre. » Et elle dit « Voilà, ça va sûrement m'aider à... » Faut que ça, je rebondis, Caroline, hein, parce qu'elle dit « Ça va certainement me débloquer. C'est rigolo, je viens de prendre donc aussi une séance, etc. sur un autre sujet. » Et elle dit « Belle synchronicité. » Et du coup, et je pense que c'est moi qui dois débloquer des choses, hein, et ces souffrances, donc, et c'est mon manque de confiance, mes peurs, et c'est pour ça aussi que je fais ce chemin pour acheter le programme. Et donc là, elle m'a fait le retour... C'est pas pour me faire de l'auto-promo, mais en même temps, je me dis, voilà, c'est encore une fois, ce qui est écrit ici, c'est pas ce que je dis moi, c'est quelqu'un. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi pour vous à le partager. Et elle dit, alors, petit retour sur le programme d'accompagnement, accompagner les enfants, que je n'ai pris. Je n'en suis qu'à la troisième vidéo, la quatrième vient de se débloquer, je ne l'ai pas encore visionnée. Ouais, parce qu'en fait, je ne savais pas, mais j'apprends aussi mon métier de choses à mettre en ligne, mais qu'effectivement, soit je débloquais les six vidéos et que vous les tartinez tout d'un coup, soit je trouvais que c'était aussi intéressant de vous les débloquer une fois par semaine, et du coup, ça a fait une demi-heure. Hein. Par contre, il y a des PDF aussi, vous pouvez les imprimer, écrire des trucs, parce qu'il y a du contenu aussi dessus, et ça fait un peu double effet qui se coule. Et je trouve ça chouette qu'elle me dise qu'elle apprécie le fait que ce soit justement dans cette récurrence-là. Et elle dit « Je ne sais pas trop comment expliquer, mais il est à la fois enrichissant et rassurant. Il correspond très bien à ce que je recherchais pour moi personnellement et pour pouvoir ensuite aider ma fille. Je suis tellement alignée avec tout ce contenu. J'ai très hâte de découvrir la suite qui devrait apporter encore plus, qui complète très bien avec votre livre. » Merci beaucoup pour cette synchronicité. J'ai aucun regret pour cet achat. Et après, je vais me parler du prix. Je lui dis, voilà, le format, le contenu du PDF, les liens et le prix. Et elle me dit, j'ai pas encore connaissance de l'entièreté du programme, puisque donc il y a 6, hein, donc là, elle commençait la 4. Et donc, je vais la retanner derrière après pour qu'elle me dise un truc global. Hein. Et du coup, mais
À mon sens et à mon ressenti, la demande que j'avais quand je l'ai pris, il correspond et le prix est abordable. Oui, sans quoi sans cela, je n'aurais pas pris la possibilité de le prendre. Il est progressif et ce que je vois des trois premières vidéos, j'avais pris connaissance, mais je trouve que c'est très bien et essentiel. Il permet de me comprendre. Aider ou comme moi, confirmer, nous sommes dans la bonne direction, je suis assez ouverte et dans cette dynamique, je crois beaucoup au transgénérationnel, la vie in utero et je suis sûre voilà, de passer ce cap difficile, compliqué et notamment ce qu'elle vit actuellement avec sa fille et donc elle a pris des consciences, elle commence à faire des prises de conscience avec ce travail que je vais faire pour moi, l'aider et pour pouvoir l'aider elle, hein. Donc ça passe par elle évidemment. Et donc ce programme est tombé à pic, à point nommé, ce n'est pas un hasard, et il va m'aider à me comprendre aussi, en complément aussi avec le livre. Mais le livre, il est plus axé sur les enfants en fait, hein. Mais en même temps, il y a quand même des choses intéressantes à l'intérieur, voilà. Et après, elle me dit bah, qu'elle souhaite aussi faire la formation niveau 1, hein. Donc ça c'est plutôt cool pour elle. Et donc voilà, je vous ai fait un petit peu le check, mais tu vois Caroline, c'est aussi en relation avec ce que tu dis, qu'évidemment, ça passe par soi. Et qu'on défend, on est trop dans l'attente de nos enfants. Et ça, c'est un truc aussi que j'aborde dans le petit programme. Il y a un chapitre dédié dessus parce que on est tous pareils, vous voyez, dans les attentes. Et du coup, ça va provoquer chez nous une forme d'irritabilité. Ça peut être même carrément de l'impatience et donc carrément du jugement aussi. Et quand les enfants se sentent jugés, ils se sentent aussi des fois étiquetés, condamnés. Et c'est compliqué des fois de réparer cette étiquette-là pour eux, parce qu'ils la portent, chacun dans la fratrie. Et pour nous, des fois, on a du mal à se décrocher aussi de ce que l'on pense les uns des autres. Et ça, c'est un thème aussi que j'aborde dans le programme. Et du coup, quand je disais tout à l'heure, la maman critique, ouais, décroche de ton ordi, arrête, faut que tu machins, tu vas jamais y arriver, tu passes ton bac, mais quand même, t'en es où, qu'est-ce que t'as fait? Ils en peuvent plus. Et après, c'est aussi important d'être quand même dans cette forme aussi de rigueur et d'autorité, de dire, OK, je te pose quand même le cadre, je te rappelle quand même qu'il y a une date. Mais c'est quand même très rare que les mômes ne savent pas quand ils vont au lycée tous les jours, qu'il y a le bac à la fin de l'année. Et on leur rabâche le cerveau depuis déjà la seconde en disant, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton orientation? Et après, c'est par Coupsup, enfin, c'est toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la charge mentale, elle est full, voyez? Donc, ok, je critique, machin, et après, bah, évidemment qu'il y a de la bienveillance derrière. C'est parce qu'il y a une peur aussi que notre môme ne soit pas assez épanoui, qu'il n'ait pas trouvé sa voie, que gna gna gna, que gna gna gna. Donc, lâchons sur nos peurs personnelles, et merci Caroline pour ton intervention. Et du coup, ça nous lâche la bride sur nos peurs, nos attentes, et du coup, l'adolescent, le jeune adulte, l'enfant, est aussi dans cette forme, alors pas de. Wild, vous voyez, c'est pas le but, c'est une forme de liberté, mais vous voyez, encore une fois, avec l'archet et la corde, vous voyez, la flèche, c'est-à-dire que tout est à sa place en fait, c'est pas un sans l'autre. Dans cette forme de liberté, il peut y avoir du flip total. Moi, quand je vous parle de ce que je sais, c'est que moi, à 7 ans, ma mère allait travailler dans un drugstore publiciste, donc c'était sur les Champs-Élysées. Elle me laissait à l'hôtel toute seule, elle rentrait à 4-5 heures du matin. Ok, elle n'avait peut-être pas le choix, c'est ok. Mais je veux dire, vous voyez, la liberté, elle a des limites aussi. Je prenais le métro toute seule pour aller à l'école. Ok, ce n'était pas la même époque, hein, on était dans les années 70, mais quand même, hein, je veux dire, la violence et du rapt d'enfants, ça a toujours existé. Et on n'en parlait pas de la même façon, mais voilà. Hein, et je veux dire, non, on a besoin d'un cadre. Donc, vous voyez, c'est important aussi. Hein, et c'est hyper structurant. Mais par contre, quand dans le cadre, il y a trop de peur, il y a trop de critiques, ben ça laisse pas non plus nos enfants être dans cette forme aussi d'expérimentation, de liberté et de plantage et de croûtage. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est parce qu'on n'a pas révisé ou qu'on a trop fait la fête qu'on est comme ça le lendemain et qu'on n'a pas ses notes ou ses attentes. Vous voyez, je veux dire, chacun fait son expérience. Mais c'est pareil pour nous. C'est pas plus pour les enfants que pour nous. Le môme, il nous dit pas, disons que maman, tu devrais aller te coucher, prends pas l'apéro, parce que demain, ça va être dur pour le taf. Eh, oh, on lui dit, eh, dis donc, ça va, non? Je sais ce que je fais. Par contre, nous, le lendemain, quand on est mal, qu'est-ce qu'on fait? On dit, merde, j'aurais dû me coucher plus tôt. On est notre propre parent. On sait qu'on a déconné, entre guillemets. Toute proportion gardée. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que
Ok, ce qu'on dit à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait aussi pour nous à ce moment-là? Pour le coup, qu'est-ce qui est valable? Ils portent pas de jugement, eux, quand ils nous voient nous coucher tard et qu'on est crevé ou qu'on l'envoie balader. Et des fois, il vient nous dire, dis donc, tu viens de t'énerver là, t'es sûr que c'est sur moi que tu dois t'énerver? Vous voyez, donc ça aussi, c'est une forme aussi de discipline à avoir aussi, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Est-ce que je suis là que pour donner des ordres et des indications? Est-ce que je suis là aussi pour écouter ce qui se passe? Et dans ce gros vivier émotionnel que je brasse toute seule, ou que le père brasse tout seul, eh bien, y a de quoi faire hein, pour démêler le bon grain de livret, voyez, de pas non plus se perdre dans. Alors, je vais conclure, parce que je vois qu'il est déjà 21h10, sur la rumination mentale, parce que du coup, ça peut prendre aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Toutes ces peurs, toutes ces choses qui vont envahir aussi l'esprit, parce que du coup, on ne sait plus aussi faire face à tout cet émotionnel, puisqu'on ne le prend pas des fois à bras le corps. Et du coup, bah, c'est la tête qui va prendre le relais, avec tous ces questionnements, tous ces doutes, etc. Et ça va enchaîner encore plus en plus de choses. Super intéressant, merci. J'ai pas d'enfants, des neveux et nièces. Et ça me parle. Bah ouais, bah bien sûr, Nathalie. C'est pour ça que je parlais de ça. Je sais que t'as pas d'enfants, puisqu'on se connaît toutes les deux. Mais je m'adresse pas que à des parents. Je m'adresse aussi des fois, tu sais, à des professionnels de santé et qui des fois auraient besoin aussi d'entendre ce genre de discours. Tu vois? Alors c'est pas psychanalytique et très cadré avec des normes NF, je ne sais quoi, tu vois, de l'État, etc. Mais en attendant, ce que je dis, ça peut avoir du sens, tu vois. Donc oui, ça, je m'adresse à beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai passé un bon moment. J'ai dit des choses qui vont rester là, que je vais mettre en live maintenant. Donc si vous avez envie de. Yasmina, merci. Que vous avez envie de réécouter, partager, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Partager. Et plus c'est partagé, plus en plus les. Comment dire, les algorithmes des réseaux sociaux sont très contents. Parce qu'ils disent, ah tiens. C'est que ça a de l'intérêt. Et voilà. Et en tout cas, moi, ça complète aussi le programme que j'ai fait et donc qui est sur Intuitive Mama, que vous pouvez les retrouver sur le Linktree, etc. Tu dis quoi, Nathalie? Je comprends au moins. C'est très compréhensible, merci. Ouais, bah oui, j'ai un langage très simple. Hein. Je m'adresse à. Vraiment, c'est du. Ce que je dis, c'est. Je dis pas que c'est des lapalissades, mais c'est des choses auxquelles des fois on ne fait pas tout le temps référence, tu vois. C'est surtout ça, mon discours. C'est que, ok, c'est bien, il y a être parent, il y a être enfant, mais il y a aussi. Il y a tout ce qui se joue, quand même, tu vois. Et c'est très accessible ce que je suis en train de raconter. Parce qu'évidemment, c'est notre histoire. Et donc, c'est cette grande richesse que l'on partage tous les uns avec les autres. On a tous été des enfants, Nathalie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tous se mettre dans une posture de parent. Et on comprend mieux aussi avec le regard de. Tu vois, quand on se fond dans le regard de nos parents. Et en même temps, nos parents ont des limites, tout comme nous. Donc voilà. Et nous aussi, on a des limites, et les enfants aussi. Et on navigue ensemble. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle soirée à tous. Et voilà. Je vais donc mettre ce live en replay. Et à bientôt. Et merci d'avoir été là.